Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo produit terminé. La dernière date d'il y a quelques mois et voilà, j'ai toujours accumulé quelques produits, donc j'ai beaucoup de produits soins corps, soins du visage, forcément c'est ce qu'on termine souvent en premier et plus facilement. J'ai quelques produits maquillage, voilà, mais un peu moins forcément, mais voilà, donc j'avais envie de vous présenter tout ça avant de mettre ça à la poubelle. Écoutez, parti. Pour commencer, premier produit que j'ai terminé, c'est la mousse nettoyante douceur de chez Velleda, nettoie en profondeur, préserve l'hydratation, c'est à l'extrait d'amélis bio, peau normale à mixte. Donc c'est sans conservateur, sans colorant, parfum de synthèse, sans huile minérale. Donc c'est une mousse nettoyante que j'ai bien aimé utiliser. Celle-ci je l'utilisais le matin, donc moi j'aimais bien l'utiliser parce que je la trouvais assez douce, elle n'était pas agressive pour la peau, voilà, sa composition était plutôt bonne, donc ça c'était vraiment des bons points. Après, le petit bémol, c'est que s'il n'y avait pas une odeur, j'ai envie de dire, très qui se distinguait vraiment, ou une odeur qui était très agréable, c'était une odeur assez neutre, alors que moi j'aime bien les produits un petit peu, comme je dis, un petit peu sensoriels, qui sont très agréables à utiliser sur la peau en termes d'odeur. Là c'était plutôt neutre. La mousse par contre, je ne la trouvais pas assez onctueuse entre guillemets par rapport à d'autres mousses nettoyantes que j'ai pu utiliser. Et donc voilà, c'est un produit, on va dire, que j'ai bien aimé. Après, est-ce que je la rachèterais? Je pense pas, sauf si vraiment il faut que je trouve une mousse nettoyante avec une bonne compo, mais je pense pas que je la rachèterais parce que voilà, il y a des petits points comme l'odeur ou la texture que j'ai un petit peu moins eu de coup de cœur, mais en soi ça reste un très bon produit, donc ça je pense que je la rachèterais pas. Une autre mousse nettoyante, celle-ci, c'est de la marque Léa Nature Laboratoire Eau Thermale Jonzac, donc c'est la Détox mousse nettoyante oxygénante. Actif oxygénant, démaquille le visage pour peau même sensible, donc c'est bio. Donc je vous ai déjà parlé de cette marque là que j'apprécie énormément, c'est une copine qui me l'a fait découvrir parce qu'elle travaille pour la marque. Et ça donc du coup je m'étais tournée vers cette marque-ci quand je cherchais une mousse nettoyante. Et bah, vraiment elle est plutôt pas mal. Moi celle-ci je l'utilisais plus le soir pour son côté un peu détox. Je trouvais que ça correspondait mieux dans le sens où bah voilà, après pour enlever vraiment toutes les impuretés de maquillage, etc. Je crois que c'était plus approprié, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser le matin. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez neutre, mais un petit peu plus soutenue que celle que je vous ai montrée, la mousse nettoyante que précédemment je vous ai montrée. Et voilà, j'avais mieux aimé celle-ci au niveau texture de mousse. Elle était plutôt pas mal aussi, un petit peu plus onctueuse. Donc ça, c'est vraiment une mousse nettoyante que je pourrais racheter. On continue avec d'autres produits, ce sont les gels douche de chez Yves Rocher. Donc là, j'en ai deux, mais j'en ai deux autres encore là, à côté de moi, d'odeurs différentes. J'ai la mandarine bois de cèdre, j'ai la mangue coriandre, j'ai le pamplemousse thym, c'est le fruit de la passion gingembre. Donc autant vous dire, pour en avoir 4, c'est que c'est des produits que je rachète. Ça c'est vraiment des gels douches que j'adore utiliser. Mon mari aussi les adore, il aime beaucoup l'odeur. On aime aussi beaucoup la texture, comment ça mousse. Enfin vraiment ce sont des produits qu'on aime énormément et qu'on rachète systématiquement. Et moi je trouve que les odeurs, voilà, je vous l'ai déjà dit, je trouve que c'est des odeurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des gels douches un petit peu classiques qu'on peut trouver en grande surface. Donc vraiment ça c'est une valeur sûre que je rachète tout le temps. Un autre gel douche que j'ai terminé, c'est le Nuxe Sun, c'est un shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil, rafraîchi, élimine les filtres UV, sel, chlore et sable. Celui-ci je l'avais eu en cadeau lors d'achat de la marque Nuxe, voilà, en parapharmacie m'avait offert ça, il y avait une offre à ce moment là. Donc c'est pour corps et cheveux, c'est un produit que j'avais déjà aussi acheté, il me semble l'été, alors pas l'été qui vient de passer, mais l'été d'avant, et surtout quand j'allais à la piscine, donc ça j'aimais bien. Et vraiment ça c'est un produit que je trouve très estival, que j'aime bien utiliser. Moi je l'utilise plutôt en gel douche, je l'utilise pas pour les cheveux, en tout cas pour la peau c'est hyper confortable, ça sent très bon le monoï, les produits Nuxe, vous savez, de prodigieux de Nuxe, là, cette gamme Sea Sun, elle est vraiment très très bien. Donc ça carrément ça peut être un gel douche que je peux acheter, bah, notamment en période estivale, ou sinon voilà, quand je vais me remettre un petit peu à la piscine, je pense que ça peut être un produit qui peut me suivre. En tout cas ça j'aime énormément. Un autre produit estival que j'ai terminé, alors il aurait je pense juste un petit fond je sens, mais je vais le jeter parce que je pense qu'il va être périmé d'ici l'été prochain,
c'est la crème Cottage, lait corps extra nourrissant, peau très sèche, nourrir et part en profondeur au monoeil. Ça, c'est un produit que j'avais aussi acheté les étés précédents, que j'ai racheté l'été dernier. J'aime beaucoup le flacon pompe, c'est très pratique. Après, étonnamment, en termes d'odeur, donc ça sent très bon le monoeil, mais j'avais eu comme souvenir une odeur plus agréable en fait les étés précédents que l'été dernier. Alors je ne sais pas si est-ce que cette année ce produit là, en tout cas ce flacon là que j'avais eu, que j'ai acheté, était pas très bon, j'en sais rien en fait, mais je me souvenais d'une odeur plus monoeil, plus estivale, je ne sais pas. Donc c'est vrai que je l'ai bien aimé, mais j'ai pas eu l'impression de retrouver l'odeur que j'avais eue les années précédentes. Je sais pas si je suis très très claire. Alors est-ce que c'était un petit défaut de ce produit là? Je pourrais le racheter l'été prochain. Je vérifierai que l'odeur est plutôt bonne avant de l'acheter. Mais ça reste un très bon produit. Donc je pense que peut-être l'été dernier je suis tombée sur peut-être un lot qui était pas extraordinaire. J'en sais rien vraiment. Mais dans mes souvenirs en tout cas c'est un produit que j'avais bien aimé en tout cas les étés précédents. Donc voilà, ça peut être une valeur sûre qu'on trouve aussi en grande surface, donc ça je pourrais le racheter. On continue sur les produits de corps, les crèmes pour le corps. J'ai terminé deux crèmes pour le corps de chez Rituals, donc une crème de la gamme The Ritual of Hammam à l'eucalyptus et celle-ci de la gamme Ritual of Sakura qui est plus à la fleur de cerisier si je me trompe pas. Donc entre ces deux crèmes il n'y a pas photo en termes de texture, d'efficacité. Enfin voilà, les crèmes Rituals elles n'ont pour moi plus de preuves à faire, elles sont très bien, mais en termes d'odeur et de coup de cœur, c'est carrément celle-ci que je pourrais racheter. Celle-ci, en fait, je m'en suis lassée, bien que ça sentait très frais. Voilà, les parfums fleurs de cerisier, ça sentait assez bon, c'était très féminin, mais en fait, je m'en suis lassée, vraiment. La fin du pot, j'ai eu du mal à le terminer parce que, j'avais plus envie de l'utiliser. Ça, je ne le rachèterai pas. Je vais le racheter, ça, certainement, parce que c'est une odeur que j'aime énormément. Ça sent le frais, je ne m'en lasse pas du tout. Ça sent l'eucalyptus, les huiles essentielles. Donc j'adore vraiment, ça me rappelle à chaque fois quand je sens cette odeur, voilà les odeurs de qu'on peut utiliser après le hammam, quand je suis allée en thalasso l'année dernière. Donc vraiment ça je pourrais racheter cette gamme, sauf que maintenant étant enceinte, je vous avoue que je prends le principe de précaution que je n'utilise plus de produits à base d'huile essentielle, même si je pense que dans ce type de produit il y en a très peu. Mais je ne sais pas si vous savez, mais pendant la grossesse les huiles essentielles sont plutôt déconseillées voilà, pendant la grossesse. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins conseillées en fonction du terme, etc. Voilà, moi j'ai pas envie de me prendre la tête de savoir laquelle est bien, laquelle est pas bien, à quel moment du terme. Je les connais pas toutes non plus. Donc voilà, principe de précaution, les produits avec huiles essentielles, je les ai un petit peu enlevés de mes routines pour mieux les reprendre après sans problème. Donc voilà, cette gamme-ci en tout cas, même s'il y a un petit peu d'huile essentielle, certainement pas beaucoup. Voilà, je préfère mettre ça, en tout cas ne pas racheter ça tout de suite, mais en tout cas, une fois que je ne serai plus enceinte, je pense que je le rachèterai sans problème. On repart côté douche, j'ai terminé ce Cottage citron gourmand. Les petits gels douche Cottage, vous savez, c'est vraiment des très bons gels douche que j'aime bien. Celui-ci sentait très bon, le frais, le citron. J'aime bien changer les cottages, varier un petit peu les odeurs. Je rachète pas tout le temps des cottages non plus, hein, histoire d'avoir une plus grande variété de gel douche, d'odeur de gel douche. Donc ça, valeur sûre en grande surface, ça je peux racheter sans problème. Deux autres gels douche que j'ai terminé, c'est de la gamme de la marque Freshea. Donc là à l'inverse on est sur des gros formats, 600 ml. Ceux-là je les achète chez Stokomani. Oui c'est là. Voilà, ça permet, ils sont moins chers et on a des grands formats. Donc Freshea bain douche, celui-ci c'est melon pastèque et celui-ci c'est ananas noix de coco. Donc ça je les ai bien aimés, je trouve que c'est vraiment des odeurs d'été, hein. Après je pense que la compo est un petit peu dégueulasse, hein. Voilà, ils sont assez liquides par contre, donc c'est vrai que quand vous en mettez dans la main, vous en mettez une bonne tartine, hein, vraiment, donc bon, c'est pas très très économique, mais voilà, j'ai envie de dire, je pense que mon préféré c'est melon pastèque, voilà, mais les deux sont très bien, donc ça voilà, à l'occasion quand je passe chez Stokomani, je peux me les racheter. On va finir tant qu'à faire avec les gels douche, un gel douche de chez Cottage, celui-ci au monoeil. Douche huile précieuse, peau sensible. Celui-ci je l'ai bien aimé, vraiment il sentait bon le monoeil. Il sentait même, alors il sent à peu près la même odeur en fait que la crème de la même gamme, hein, de chez Cottage au monoeil que je vous ai présenté tout de suite. Mais c'est vrai que l'odeur de monoeil de celui-ci était meilleure que la crème. Donc je pense que peut-être ma crème était peut-être pas très... voilà, parce que j'étais tombée sur un lot pas très très bon peut-être. Mais cette odeur là de monoeil est vachement plus agréable en tout cas.
Et donc ça pareil, ça c'est très estival comme produit. Voilà, j'en suis arrivée à bout parce que j'avais pris un gros format. Et donc voilà, c'est très bien, je trouve que voilà, c'est... Que dire de plus, Cottage, j'aime bien, c'est côté nourrissant aussi, c'était un petit peu un côté huile, donc vraiment très agréable sur la peau, ça mousse un petit peu moins que les jets douche classiques, mais ça je pourrais racheter l'été prochain sans problème. Un autre produit douche, ça c'est de chez Rituals, Happy Buddha, Sweet Orange et Cedar, gel douche extra moussant, vous savez, les mousses de douche de chez Rituals, je les adore, celle-ci elle avait été hyper agréable à utiliser, j'ai bien aimé, c'était assez frais, ça sentait bien l'orange, vraiment le côté agrume était très agréable, donc ça je pourrais racheter sans problème, voilà, je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous en ai parlé plein de fois et ça j'adore. Une autre mousse de douche que je retrouve dans le fond de ma boîte, c'est la mousse Magnifica nettoyant purifiant nouvelle peau de chez Sanoflore, enlève les impuretés, illumine le teint et affine le grain de peau. Donc ça c'est une mousse nettoyante pareil que j'ai beaucoup aimée. Alors elle est très sensorielle, elle est à l'inverse des autres que je vous ai présentées. Ça sent, bah, ça sent les huiles essentielles, ça sent, c'est très frais, ça sent l'huile essentielle de menthe, donc c'est vraiment très agréable. Moi je l'utilisais le soir et je trouvais vraiment, ça avait ce côté détox de la peau, vraiment très agréable. Donc ça, pareil, à base d'huile essentielle, donc je ne vais pas le racheter tout de suite, évidemment. C'est vrai que les produits Sanoflore, je les ai mis un petit peu de côté là, depuis que j'attends un bébé. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont des huiles essentielles. Il y en a quelques-uns où il n'y a pas d'huile essentielle, mais plusieurs quand même en ont. Donc j'ai mis un petit peu de côté cette marque, mais voilà, je la réutiliserai sans problème après. Mais voilà, en tout cas, ce produit-là, je l'ai terminé. Il est vraiment... voilà, c'est une bonne mousse nettoyante. Celle-ci, elle est vraiment très très bien. Dans la même gamme, la crème de nuit Magnifica soin infusion botanique perfecteur de peau. Donc ça, pareil, j'avais bien aimé cette crème. Je l'avais surtout aimée dans la période printemps-été, mais que je ne trouvais pas en tout cas assez hydratante, notamment sur les périodes plus hiver ou automne où il fait un petit peu plus froid, où la peau est un petit peu plus agressée. C'est vrai que j'avais trouvé que c'était une crème qui était très bien faite cet été, voilà, qui m'a illuminé le teint, vraiment affiné le grain de peau, vraiment perfecteur de peau, mais cette crème de nuit, voilà, je l'aurais utilisée que en tout cas cet été. Mais ça, je pense que je ne la rachèterai pas. Une petite lotion que j'ai terminée de la marque Pixi Glotonique, donc avec 5% d'acide glycolique, lotion tonique exfoliante. Alors, la marque Pixi, je crois que j'en avais entendu pas mal parler, plutôt en bien. Donc, quand j'avais trouvé cette petite miniature chez Sephora, je m'étais dit que j'allais tester. Bon, en termes d'odeur, c'était assez agréable, c'était assez frais. J'avoue que j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette lotion, mais j'ai pas eu un coup de cœur en fait pour ce produit. Je l'ai bien aimé l'utiliser, elle était agréable sur la peau. Après, je trouve que y a des moments en fait j'espacais un petit peu mes utilisations. Dans le sens où j'avais l'impression que si j'utilisais vraiment tous les jours, elle avait peut-être une tendance un petit peu à agresser la peau de mon visage. Donc je l'utilisais vraiment quand je sentais que j'avais besoin d'une petite exfoliation du visage, un petit regain d'éclat par exemple. Mais le côté glow, enfin, j'étais un petit peu déçue, j'ai pas fait waouh à l'utilisation, je me suis pas dit waouh, c'est le produit indispensable qu'on doit tout avoir. J'ai fini, voilà, par le terminer, mais sans grande conviction. Et ça, c'est clairement un produit que je rachèterai pas. Une huile démaquillante, c'est l'huile démaquillante Yves Rocher pure Camille. Donc à chaque fois, les petits autocollants se barrent au fur et à mesure de l'utilisation. Je vais passer très rapidement sur ce produit parce que je vous en ai parlé plein de fois. C'est vraiment mon huile démaquillante de référence. Je l'utilise tout le temps. Là, je l'utilise encore. Et elle démaquille super bien. Elle est très agréable sur la peau. Elle sent très bon. Bref, sa valeur sûre, c'est indispensable pour moi. Ça, je rachète tout le temps. Un autre produit Sanoflore, ça, c'est le regard Hypnotica concentré botanique restructurant. Ça, c'est un contour des yeux, pareil, que j'ai bien aimé. Je vous en ai parlé plein de fois. Je pourrais le racheter sans problème, il fait bien son travail. Là, j'ai changé de contour des yeux parce que bah, j'ai eu envie de changer, voilà. Je trouve que des fois, de changer un petit peu de produit, ça permet voilà, de pas que la peau s'habitue à un produit et que les effets voilà, se voient un petit peu moins.
En tout cas, les contours des yeux de chez Sunoflore, moi je les aime plutôt bien. Ils me durent énormément de temps, pourtant le paquet est pas très très grand, hein, il y a que 15 ml. Mais vraiment, il faut tellement qu'une petite noisette et vraiment c'est assez agréable pour le dessous de l'œil, c'est assez hydratant, lissant. Et vraiment, voilà, les contours des yeux de chez Sunoflore, je les aime beaucoup et ça, je peux les racheter. Un produit cheveux, enfin, il y a pas mal de shampoings, tout ça, que j'avais déjà utilisé, que je vous avais déjà parlé, que j'ai jeté et que voilà, je vous remets pas parce que ces produits, je vous ai déjà parlé. Mais celui-ci, je crois que je vous en ai pas parlé, le Revlon E-Cave. C'est un soin démêlant. Celui-ci, il me semble que pareil, c'était la marque Milanway. Ça fait assez longtemps que je l'avais reçu. Et c'est un truc biphasé. Vous savez, il fallait secouer pour que les deux phases se mélangent et ensuite apporte un soin et un côté démêlant. Il était bien, il sentait bon, etc. Mais j'avais pas été transportée par le produit. Voilà, je vais pas franchement. Voilà, pas de coup de cœur, donc ça j'achèterai pas ce produit-là. Ça démêlait, mais pff, voilà, c'est pas ouf quoi, donc ça j'achèterai pas. Quelques produits maquillage, j'ai terminé, enfin presque terminé, reste une pichenette, mais quasiment le spray il est tout pourri maintenant, comme il y a presque plus rien. C'est le MAC Prepuce Prime, le Fix Plus. Ça, je vous en ai déjà parlé, j'utilise tout le temps. C'est vraiment une bonne brume fixatrice et j'aime beaucoup l'utiliser vraiment, donc ça je rachète, ça je dois être rendue à mon. Deux ou troisième flacon. Je trouve que la brume en plus elle se diffuse bien et ça marche bien et c'est frais, c'est agréable à utiliser, ça donne un petit coup de peps au maquillage, donc ça j'aime bien, je rachète sans problème. Une base à paupières, celle-ci c'est la NARS, la Pro Prime, donc les qui se présente sous forme de voilà comme ça de petits embouts gloss. Cette base à paupières, je l'ai bien aimée. Après, sur la fin, effectivement, elle était très vieillissante et elle faisait plus trop son effet. Après, est-ce que je pourrais la racheter? Je pourrais la racheter. Après, moi, les bases à paupières, j'aime bien les changer. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour celle d'Urban Decay. Mais voilà, ça reste, je trouve, des bases à paupières. Je trouve que c'est assez difficile, je sais pas si vous vous en rendez compte vous, mais je trouve ça assez difficile quand on prend une base à paupières de bonne marque, hein, de bonne qualité, d'arriver à savoir celle qui est bien et celle qui est un peu moins bien, celle qui fait mieux tenir les fards. Je trouve que c'est difficile à juger. Là en ce moment j'utilise une base à paupières de chez Essence, donc qui coûte 3 fois rien. Et ma foi, j'en suis plutôt contente. J'ai pas eu l'impression que mes fards tenaient moins bien qu'avec celle-ci, par exemple. Donc voilà, la base à paupières, c'est très important en tout cas pour quand on se maquille, quand on veut vraiment que le maquillage tienne. Après, laquelle est mieux qu'une autre, j'en sais rien trop en fait. Donc celle-ci, je pourrais la racheter, mais je pourrais aussi carrément lui faire faux bond et de ne pas la racheter. Un mascara que j'ai terminé, celui-ci, c'est l'Atelier du Sourcil. C'est la marque qui me l'avait envoyé, mascara Upseal. Vraiment, je l'avais bien aimé. Moi, je me souviens que quand j'avais commencé à l'utiliser, c'est un mascara que j'aimais bien. J'aimais bien la brosse, les brosses assez grosses comme ça, c'est un peu voilà, des produits que j'aime bien. Alors ça faisait des cils assez, fallait vraiment bien travailler son cil parce qu'il pouvait vite faire des paquets. Et ça peut ne pas plaire, à tout le monde. Vraiment, c'est un mascara qui demande vraiment de la patience et de la dextérité et du travail. Mais il faisait vraiment des cils comme je les aime moi. Après, peut-être que vous, c'est pas ce genre de mascara qui vous plaît. Mais voilà, ça avait été une belle découverte. Après, est-ce que j'irai l'acheter? Parce que voilà, comme je dis, c'était la marque qui me l'avait offert. Bah, l'Atelier du Sourcil, en fait, je sais pas trop. Enfin, en termes d'accès, en termes d'acheter ce produit, hormis peut-être dans les boutiques, mais où je n'y vais pas. Donc, je pense que voilà, ça, je ne l'achèterai pas parce que par défaut d'accessibilité, on va parler comme ça. Mais après, ça reste un bon mascara pour les personnes qui aiment les mascaras gainants avec les cils épais, un peu voilà, bien avec un beau volume. Voilà, il a pas détrôné mon The Shop d'Yves Saint Laurent qui reste mon mascara que j'utilise tout le temps et que je vous saoule tout le temps avec le même parce que c'est mon mascara préféré. Et mon dernier produit que j'ai terminé, c'est cette bougie de chez Durance. Donc c'était de la collection de Noël. Donc c'était la senteur Où. Et je l'avais acheté donc à Strasbourg parce qu'à Strasbourg il y a une boutique Durance. Donc quand j'y suis allée en novembre début décembre, là, qui sentait vraiment très très bon. J'ai vraiment apprécié cette bougie. Elle avait 2 mèches, donc ça c'était vraiment aussi super cool. Je trouve que ça embaume encore plus la pièce. Et comme vous pouvez voir, je l'ai bien nettoyé en fait le pot et je l'ai gardé parce qu'en fait je trouvais que avec l'étiquette un petit peu, avec les branches de houx dorées, tout ça, je la trouvais super jolie. Donc pour le moment je l'ai gardé. Je ne sais pas si je vais l'acheter, j'en sais rien.
pour Noël prochain, s'ils ressortent la même senteur, je pourrais la racheter. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits en commun, voilà, comme d'habitude, me dire si vous voulez racheter, s'ils font partie de votre routine ou alors pas du tout, vous avez détesté. En tout cas, vous me dites tout ça en commentaire. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.